à ce prix-là que l'on devient championne d'Europe. Et à la poutre, voici justement Marie-Angeline Colson, qui a maintenant 17 ans. Elle a fait partie de l'équipe de France des Jeux Olympiques de Barcelone et des championnats du monde du Birmingham. Et voyez qu'à 17 ans, elle n'a plus la même silhouette qu'à 14 ans. C'est-à-dire qu'on devient femme et Marie-Angelique Colson ne pourra donc pas postuler au titre de championne de France cette année. Néanmoins, elle a encore beaucoup d'expérience et à la poutre, elle nous démontre qu'elle pouvait réaliser de bons mouvements, mais elle manque peut-être de stabilité dans ses équilibres. Voilà, c'est-à-dire que là, sur un pivot, elle nous a fait un petit déséquilibre qui sera bien sûr pénalisé. Mais en attendant, avec son expérience de la haute compétition, je pense qu'elle devrait tenir la route, comme l'on dit, sans problème, jusqu'à la fin de cette compétition et essayer de rattraper ses petites copines qui ont pris une légère avance sur les exercices imposés. Ça sera dur tout de même d'obtenir la médaille de bronze de ce championnat de France. Salto avant, à la poutre. Et quand je vous dis que la morphologie compte énormément, c'est que lorsqu'on pèse 35 kilos, eh bien on évolue plus facilement que lorsque l'on pèse 50, comme c'est le cas actuellement pour Marie-Angélique.